Bienvenue pour ce nouveau tirage de cartes. Prenez le temps de choisir votre carte. Allez-vous prendre le cœur en cristal? Allez-vous prendre le cercle? En tout cas, prenez le temps de réfléchir à votre question. Et si vous n'en avez pas, pas de problème. Vous écoutez le message, je suis sûre qu'il y aura une résonance pour vous. On est parti? Découvrons donc la première carte, celle du cœur. Demande et tu auras. Ne doute pas de ce qui t'attend. Accueille ton avenir en amour. Eh bien, il est temps de mettre votre orgueil ou votre timidité de côté. La situation que vous vivez sera plus supportable avec une aide extérieure. Apprenez à aimer votre vie et puis décidez de la rendre plus belle, de jour en jour. C'est un travail de longue haleine. Vous serez ainsi plus ouvert à l'aide que l'on peut vous apporter. Et puis les solutions sont souvent une alchimie entre différentes pensées de différentes personnes. Alors n'hésitez pas, osez demander et acceptez l'aide inattendue. Pour les deuxièmes catégories de cartes, pour les personnes qui ont choisi le cercle, voici sa réponse. Reprends ta façon de faire les choses. À trop te poser de questions, tu te perdrais dans les réponses. C'est le moment que vous décidez à agir. Votre projet ou votre situation est en inactivité depuis bien trop longtemps. Vous avez largement pris le temps de réfléchir, de retourner le problème dans tous les sens. Il va falloir maintenant faire face à l'évidence. Ne vous inquiétez pas, vous connaissez déjà votre réponse. Vous avez juste peur de la prononcer à haute voix. Mais vous verrez qu'une fois que vous la mettrez en lumière, avancer avec ne sera qu'un détail pour vous. Donc arrêtez de réfléchir, car maintenant c'est le moment d'agir. Nous voilà à la fin de ce tirage. Je vous souhaite une belle continuation pour cette semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt.